ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى il a fait que ce dunya, ce bas monde, et n'est jamais, un jour n'est pas jamais comme l'autre, tout à fait comme l'autre. Par exemple, dans le temps, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et voilà les jours que nous faisons tourner entre les gens. Donc, un jour tu es heureux, un jour tu es malheureux. Parfois, c'est en cause, tu sais pas. Un jour tu te réveilles, t'es de bonne humeur, t'es bien. Un jour tu te réveilles, t'es de mauvaise humeur. Il n'y a pas une cause spécifique à cela. Tu ne peux pas dans ce monde toujours être dans le même état. Toujours la même situation. Non. Un jour tu as des difficultés, un jour tu as des facilités, un jour tu es dans la richesse, un jour tu es dans la pauvreté, un jour tu es dans l'aisance, un jour tu es dans la difficulté, un jour tu es en santé, un jour tu es malade. C'est comme ça la vie. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Tu peux pas gagner tout le temps. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Même les musulmans, il y a des jours quand ils sont faibles, quand ils obéissent pas à Allah, ils perdent. Mais quand ils reviennent à l'obéissance d'Allah, ils gagnent. C'est comme ça. Ce bas monde, il est comme ça. C'est pour ça, un poète arabe, il avait dit, un jour contre nous, un jour pour nous, un jour on est triste, un jour on est heureux. Toute personne, elle sait cela. Pareil sur la peur, la sécurité, la guerre, la paix, la pluie, la sécheresse. Donc ça, c'est des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait dans ce monde-là. Donc, c'est ça dans le sens, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Vous allez passer par des états successifs dans le temps. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا